j'ai passé un casting il n'y a pas très longtemps et j'ai obtenu le rôle. Et je vais jouer jusqu'au mois d'avril avec Agnès Jaoui dans un prochain film de Gilles Legrand. Mmh. Voilà. Oh, allez là, c'est ça. Ouais. Vous êtes chaud ou pas? On progresse! C'est le podcast! Ça va être déjà l'écueil de la caméra qui bouge trop comme ça. On pourra prendre des clichés pour le parcours. C'est joli ici. Hein. Personne n'a été faire caca. Austin! Tu filmais là? Ouais, ouais, carrément. Coucou! Ça va? Putain, ça fait longtemps. Ah, écoute, c'était incroyable. Ça a été? Ouais, ça te marre un peu? Ouais. Ça va, Yanni? Ah, oh, je suis contente de te voir. Bon, alors, le tournage? Super. Ouais. Il y avait des gens connus? Ouais. Ouais, ouais, carrément. Il y avait Agnès, forcément. Il y avait Alban Ivanov. Il y avait Urbain Cancelier, tu sais, celui qui fait Collignon dans Amélie Poulain. Ouais. Mais non, c'est cool, je suis contente de vous voir. Gérard Mudon, tu connais Gérard Mudon? Gérard Mudon. Au sud de la gare de Bordeaux. Non, ça me dit rien. C'est un technicien. I may be mistaken. Uh-huh. I may be. Trying to check my place, sorry. Okay, let me change it. So we're your neighbors today. Oh, good. Nice to meet you. Yes, we're back. Good. Comedians, actors, singers, dancers. Oh, well, entertainers. Yes, we could. Do not tape us. Voilà, en fait, j'ai tourné un film, vous souvenez, je vous avais dit. Enfin, voilà, c'est pas un peu problème. Voilà, je vois tout cet espace-là, ça me rappelle ce plan, enfin, vous verrez quand le film sortira. Non, on n'a pas du tout tourné en province. Non, pas du tout. Je suis super contente d'être de retour, en fait. Salut, Gilles. Mais c'est bien. Oh, j'ai pas quoi dire. J'ai rien préparé. Merci à tous. Merci à toutes. Je le voulais. Je le voulais tellement. À toutes les personnes qui ont rendu ça possible. Merci. Voilà, je voudrais dire merci à Juliette. Je voudrais dire merci à Gilles, à Agnès. Les Franglais jouent ce soir à Vendôme, commune du Loir-et-Cher, en région Centre-Val-de-Loire. C'est la troisième plus grande ville du département, derrière Blois et Romorantin-Lanthenay. Mais c'est surtout une des plus grandes villes le long du Loir, juste ici, à côté de moi. Située entre le Perche au nord et la Petite Beauce au sud, Vendôme est une charmante bourgade que nous aurons plaisir à découvrir tous ensemble. Les Franglaises arriveront-ils à faire rire le public vendômois? Réponse ce soir. Un reportage de Denis Dahan et Marcel Lacroix. Allez, bonjour à tous. Oui, bonjour à tous, bonne matinée. Et aujourd'hui, bien sûr, on n'oublie pas Edgaliou et son anniversaire. Pour Edgaliou, pipi, pour Edgaliou, pipi, pour Edgaliou, pipi, pipi, pour Edgaliou. Résumé de cette tournée, de tout ça jusqu'à cette scène musicale. Challenge réussi. Ouais. Je suis assez fière de ces artistes. C'est des géants de travail. Beaucoup d'abnégation. Un mode de vie healthy, sain, détox, beaucoup de sport. Philippe Canet, votre attention, s'il vous plaît. Non, merci. Philippe Canet de Bordeaux. Christine.
On y est. Oui, alors ce que je te disais, c'est que l'autre jour, j'ai plongé directement tout droit dans l'eau, et là, boum, quoi, tu vois. M'en vais aller équérir le consul de Rome. Bonjour, consul, ça. Ils le font, ça, YouTube? Filme ça. Bon bah là c'est le petit bus très important pour le collectif, pour resserrer, c'est quelque chose d'important, c'est le moment où on partage, on se met un peu au vert, on discute entre nous, puis on met en place une bonne stratégie. Salut, c'est qui toi? Le chauffeur. Il en faut un. Bonjour, Faustine? Non, moi c'est Roxane. Ah bah, regardez, bon, c'est Bernard. Bonjour. Ouais. Faustine? Oui, c'est Faustine. Ouais. Allez-y. Faustine? C'est toi. Allez. Bonjour Bernard. Ça filme pas? Non, ouais, ça ne filme pas. Non. C'est une photo, on te dit. Non, sérieux, non. On arrive, alors on a 8 heures de route. Ouais. Tu fais une pause à toutes les 4 heures, donc à 2h30. C'est une partie du bus. C'est nouveau là. Ouais, si vous sortez du bus pendant la pause. Oui, mais c'est pas. Tout ça, vous pouvez prendre. On peut prendre tout ce qui est fruits, soda. Sauf les jus, mec. Pourquoi on peut pas prendre les jus? Parce que c'est ce que j'ai acheté pour demain matin. Alors, quel jus de fruits nous ne pouvons pas utiliser avant demain matin? Pomme, jus d'orange. Bravo, Daphné. Bravo. Jus de pomme. 4 gouttes, Daphné. 2, 3, 4, c'est bon, t'en as mis. Ah, c'est dégueulasse. Ah. Bah, c'est Romain. Eh, dis coucou. Coucou. Ah, la nature. Oh, quel temps, c'est incroyable. Pas du feu, mec, s'il te plaît.